Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un masque pour visage pour tous ceux-là qui ont les problèmes de pores ouverts, pour tous ceux-là qui ont les peaux grasses, pour tous ceux-là qui ont les peaux à tendance acnéique, qui ont les peaux très grasses et qui ont les sécrétions de sébum. Alors ce masque-ci, c'est fait à base d'un seul ingrédient. Alors pour tous ceux-là qui souffrent également de peau très très terne, qui ont le visage assez terne, qui ont les pores dilatés, ce masque-ci va venir vous aider et vous. Ce masque va venir vous refermer les pores, vous donner un coup d'éclat et cela vraiment est super super bien. Alors voilà mon masque, voilà. C'est fait à base de concombre. Ce concombre-ci est déjà, j'ai déjà préalablement mixé. Donc, je vous montre avec le concombre est très très riche en eau. Donc, il contient 99% d'eau. Donc, c'est uniquement d'eau. C'est très très bien pour la peau. Ceux-là qui ont les problèmes de sébum, les peaux grasses, ont tendance à croire que leur peau a toujours tendance à sécréter de l'huile, donc ça sécrète de l'huile. Ils ne savent pas comment hydrater leur visage, mais je vous dis que quand vous n'hydratez pas votre visage et quand vous avez une peau à tendance acnéique et sébacée avec tellement de sébum, l'hydratation ici va venir réduire l'excès de sébum dans votre peau, resserrer votre pore, nourrir votre peau, hydrater en profondeur et rendre automatiquement votre peau lisse. Alors pour toutes celles-là qui vraiment ont des problèmes de peau grasse, qui ne peuvent pas faire un joli make-up, parce qu'il faut savoir que quand tu as une peau très 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 grasse, tu ne peux pas faire un make-up jusqu'à ce que ça soit très beau. Par contre, quand ton visage est hydraté, automatiquement ton visage devient lisse, très propre, et lorsque tu appliques même un make-up, ça adhère directement. Tu n'as pas besoin de fournir d'efforts, et lorsque ta peau est déjà lisse et propre, tu n'as pas besoin de sortir avec un make-up. Donc tu peux tout simplement décider de sortir comme ça. Donc ça dépend de toi. Voilà mon concombre, c'est uniquement du concombre. Vous pouvez faire ce masque chez vous à tout moment, tout le temps, comme vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'effet néfaste sur la peau, quel qu'en soit le type de peau. Donc même tous ceux-là qui ont les peaux à tendance acnéique, les peaux grasses, qui sécrètent tellement de sébum, ceci sera très 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 bien pour vous. C'est vraiment très efficace, je vous assure, mes loups. Alors nous allons appliquer ensemble notre masque sur le visage. Sur un visage préalablement propre, donc vous allez d'abord, mon visage est déjà lavé, il ne faudrait surtout pas l'appliquer sur un visage sale. Je vais laisser sécher pendant quelques minutes. Vous pouvez rester avec même 30 à 45 minutes, ça dépend de vous, le temps que ça sèche bien. Et ensuite, vous allez rincer votre visage et voilà. Vous pouvez répéter ce processus chez vous 3 à 4 fois la semaine. Hein. Donc, c'est autant de fois que vous voulez, c'est vraiment bien le visage. Bon, voilà mon masque. On va laisser sécher pendant quelques minutes et ensuite on va passer au rinçage de notre masque. Alors les amis, ok, je profite donc pour vous montrer une autre astuce que vous pouvez faire à la maison. Alors cette astuce-ci, c'est une très simple astuce pour éviter les odeurs, pour vraiment avoir les aisselles très très propres, pour avoir les aisselles blanchies, pour avoir les aisselles sans odeur. Maman, les filles, en 2024, là, nous tous on doit shine, on ne fait plus les petites odeurs par-ci, par-là. Non, 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 non. Avec les petites astuces que je vous donne ici, on va tous sentir bon et shine, ok? Voilà, vous allez prendre du citron. Voilà mon citron. Je vais donc prendre ce citron-ci et je vais tout simplement prendre et frotter, voilà, sur mes aisselles déjà rasées. Voilà. Vous pouvez
frotter comme ça chaque jour, comme vous voulez. Franchement, ceci, c'est un processus. Si vous voulez avoir des aisselles blanches, si vous voulez avoir des aisselles très propres, sans odeur, sans mauvaise odeur, pas le genre que tu fais en bas. Regardez mes aisselles, c'est très propre, c'est blanc, c'est voilà tout ce qui donne envie, quoi. Ok. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Alors, on se reprend à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo pour plus d'astuces, beauté, tout ça là en 2000. Alors, je vous prépare franchement de très belles choses en 2024. On va beaucoup s'amuser, on va beaucoup prendre soin de nous. Je vous prépare des meilleures routines, de très belles routines. Alors, ne vous en faites pas. Beaucoup de routines beauté arrivent bientôt. Alors, on reste scotché à la chaîne, on s'abonne pour ne rien rater. Bisous. Bye bye.